Bonjour à toutes et tous, après ce premier acte d'histoire culturelle et cette pause bien méritée, on va passer à l'acte 2 qui va nous amener dans l'Europe du 19e siècle et plus largement dans cette projection, donc à la fois africaine mais aussi moyenne-orientale. Dans un premier temps, François Ribert, ici présent, va nous parler du sacre de la Restauration française. On sait être le dernier sacre royal, le sacre de Charles X en 1825. Puis Nicolas Barada, à ma droite, interviendra sur la Révolution grecque, qui est un grand mouvement libéral dont on a toutes et tous entendu parler, et plus spécifiquement de son traitement par des États conservateurs, ces États que sont les États pontificaux. Ensuite, Matteo De Marco, à ma gauche, parlera sinon de révolution, au moins d'insurrection, les insurrections marseillaises, qui ont lieu à une période contemporaine de la Commune de Paris, donc de 1870 à 1871. Et pour conclure l'acte 2, Antoine Fiard, ici présent, nous parlera hydro-histoire et colonisation française via le fleuve Sénégal. Donc je ne monopolise pas plus la parole et puis je laisse la parole du coup à mon collègue François Ribert. Merci Tom. Alors, donc nous allons ouvrir ce sujet sur l'Europe et ses projections avec notre sujet. La dernière onction de la monarchie française, une étude sur le sacre de Charles X, qui ressemble à l'essentiel de mon mémoire de M1, lors duquel je me suis notamment intéressé aux préparatifs de la cérémonie. Ce sacre, donc, effectivement, vous allez le dire. Et le dernier sacre royal à avoir lieu est en 1825, le 9 mai, et le seul à avoir lieu après la Révolution. On en a gardé de nombreuses traces. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Eh bien, déjà parce que j'ai toujours trouvé que le 19e siècle était un siècle extrêmement méconnu. Le 19e siècle commence avec le premier empire, très grand, géant historiographique. Il se termine par la Troisième République, autre période assez connue. De part et d'autre, il y a la période révolutionnaire et la Première Guerre mondiale, deux périodes très très connues aussi. Et entre 1815 et 1870, 55 ans d'une histoire de France un peu délaissée, un peu oubliée. Donc quatre régimes politiques, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire. Et donc de nombreux événements qui ont eu lieu lors de ces quatre périodes qui sont quelque peu oubliés. J'ai eu envie de m'intéresser à la Restauration parce que la Restauration m'a séduit dans le sens où c'est la suite directe de la période impériale. Il retrouve de nombreux personnages, de nombreuses conséquences. Et dans la Restauration, j'ai toujours eu un grand intérêt pour les Blancs de l'histoire. Et lors de la Restauration, on connaît un peu Louis XVIII, mais Charles X est un roi relativement méconnu. J'ai eu envie aussi de m'intéresser à un sujet qui serait associé à un intérêt pour les arts, pour quelque chose d'artistique, et j'étais intéressé par ce grand spectacle qu'avait dû être le sacre de Charles X. Néanmoins, est-ce qu'on pouvait vraiment en faire un sujet ? Eh bien, en m'enseignant un peu, j'ai remarqué des choses un peu curieuses à propos du sacre de Charles X quand il est évoqué dans de nombreux ouvrages. Dans des ouvrages sur le 19e siècle ou sur l'histoire de France en général, quand il est mentionné, il est là dans un simple but d'illustration. Les ultra-royalistes, sur lesquels je reviendrai, sont au pouvoir et le sacre est là pour illustrer la volonté réactionnaire de la politique gouvernementale. Et c'est tout. Et puis, j'avais une littérature un peu plus spécialisée, plus centrée sur Charles X ou sur la Restauration, et notamment pour Charles X, il y a quand même relativement peu de biographies qui ont été écrites sur lui, il y en a beaucoup d'assez anciennes maintenant, mais celle que j'ai utilisée, Charles X et Daniel Bourbon, Jean-Claude Clément, a été très utile. Et dans cette littérature plus spécialisée, le sacre était présenté comme une espèce d'expérience, quelque chose d'innovant, on tentait de réconcilier les Français. Et là je me suis dit,
il y a un sujet, parce que, si on peut dire, parce que j'avais deux visions qui n'étaient pas forcément contradictoires, mais qui en tout cas avaient une impression, nous donnaient une impression différente. Et puis, on a assez peu écrit sur le sacre de Charles X. Je vous ai mis là, les deux en bas, les deux seuls livres, enfin, les deux seuls vraiment ouvrages importants écrits sur le sujet. L'André Kraya, qui est vraiment Charles X ou le sacre de la dernière chance, qui est vraiment un ouvrage consacré au sacre, et je me suis beaucoup appuyé sur cet ouvrage pour la réalisation de mon Master 1 sous la direction de M. Jean-François Verdun. Et la thèse de Jean-Paul Garnier, le sacre de Charles X et l'opinion publique, donc c'est une thèse de doctorat qui s'intéresse aux relations avec le sacre de Charles X et l'opinion publique, et elle est quand même un peu plus ancienne, vu qu'elle date quand même de 1927. Alors, arrivé à ce stade, il me paraît important de rappeler déjà qui est Charles X, quand même. Donc, voilà, nous avons plusieurs portraits de lui, là, quand il est roi, mais là, le portrait de lui, là, quand il est relativement jeune, et là, quand il est entre deux ans. Alors, Charles-Philippe de France est né le 7 octobre 1757 au château de Versailles. Il reçoit à l'apanage la titulature de comte d'Artois. Il est le petit-fils du roi régnant d'alors, Louis XV. Et il a trois frères aînés, un qui mourra enfant, un autre, le duc de Berry, qui deviendra Louis XVI, et un autre, le comte de Provence, qui deviendra Louis XVIII. Mais de ce fait, il ne semble pas vraiment appelé à régner un jour sur le trône de France, et il a une existence d'un prince versaillais relativement insouciante, voire même frivole, en fait. Il n'est pas très apprécié, en fait, par l'opinion publique, même s'il n'est pas extrêmement connu, parce qu'il représente un peu l'exemple type du noble dépensier, relativement un peu intéressé par les questions politiques, ou en tout cas qu'il l'est, qui n'est pas vraiment enclin à des réformes, ou alors qu'il l'est à condition que ne touche pas à son train de vie. Alors, c'est pour ça que la Révolution n'est pas une bonne période pour lui. Il quitte quand même la France le 16 juillet 1789, donc il fait partie de la toute première vague d'immigrés. Et il fait partie notamment de ceux qui, en exil, essaient d'organiser l'armée des immigrés, aussi donc l'armée des princes, donc une armée à visée contre-révolutionnaire qui espère reconquérir la France par les droits. Cette armée, néanmoins, se révèle relativement inefficace. En 1795, notamment, il y a un débarquement de cette armée qui est prévu à Quiberon par Lidieu. Un débarquement que commande le comte d'Artois, et ça échoue en partie aux ennemis. Bon, et après ça, pendant presque une vingtaine d'années, il se retire à Londres. Les Bourbons vivent une existence retirée, entourée d'une cour dérisoire qui se vide au fur et à mesure que la noblesse se rallie à Napoléon. Ils sont relativement poursuivis par des créanciers. Et puis, tout change en 1814 avec la Restauration, la chute de Napoléon, les manœuvres politiques de Talleyrand et le retour sur le trône de Louis XVIII, donc le début de la Restauration. Alors, la Restauration est une période que je propose d'aborder sous l'optique politique. On a notamment deux factions politiques importantes qui se dégagent. On a d'un côté les libéraux, qui sont des gens plutôt favorables, qui sont donc soutenus par le roi, qui sont plutôt favorables à des mesures qu'on pourrait trouver d'inspiration révolutionnaire ou impériale, un élargissement du sens électoral, une libéralisation de la presse. Et en face, on a les ultra-royalistes, qui sont soutenus en coulisses par le comte d'Artois, donc Charles-Philippe. Alors, les ultra-royalistes ne doivent pas non plus être complètement caricaturés. Ils ont plusieurs mesures visant à instaurer un régime très, très conservateur, mais ils ne sont pas non plus partisans du retour à l'ancien régime. Un des grands exemples, c'est qu'ils ne sont pas du tout partisans du pouvoir absolu du roi, parce que Louis XVIII, en fait, ne les soutient pas. Notamment en 1815, quand il dissout la Chambre introuvable, où ils sont majoritaires. S'ouvre alors une époque libérale, s'arrête de façon un peu brutale et tragique en 1820 avec l'assassinat du duc de Berry. Alors le duc de Berry, qui sait, c'est le deuxième fils du comte d'Artois et surtout le dernier des héritiers au trône de France. Donc, sa mort a quelque chose de très politique. Alors bon, à la suite de plusieurs événements un peu compliqués, la question politique va se réduire, la question dynastique va se résoudre. Mais il n'empêche que la mort du duc de Berry sonne le glas de l'expérience libérale et le retour au pouvoir des ultra-royalistes, qui donc règne et
Ça, c'est donc les dernières années du règne de Louis XVIII. Ça s'est bien représenté par ce tableau-là, où Louis XVIII et toute la famille royale accueillent les Français qui reviennent de l'expédition d'Espagne en 1823. Le comte d'Artois, qui est donc le chef secret des Ultras, a déjà le pied posé sur l'estrade du trône de son frère. Donc, déjà, voilà. Et enfin, on peut dire, le 16 octobre 1824, Louis XVIII meurt au château des Tuileries et le comte d'Artois devient roi sous le nom de Charles X. Un règne qui, tout premier jour, a l'air relativement libéral. Et puis, dès décembre 1824, sont annoncées des mesures d'inspiration, prises qui sont inspirées donc par le gouvernement du comte de Villèle. La loi sur le sacrilège et la loi du milliard des émigrés, sur lesquelles je reviendrai. Et surtout, lors de ce discours du trône de décembre 1824, Charles X annonce son intention de se faire sacrer à Reims, comme les rois de l'Ancien Régime. Et le sacre des rois de France, c'est une cérémonie, bon, j'ai besoin de la présenter un peu quand même, une cérémonie donc qui revient au monde à une époque extrêmement ancienne, notamment le double sacre de Pépin le Bref au 8e siècle pour donner une sorte d'exemple sur lequel tout le monde, les sacres suivants, vont essayer de se calquer. On peut trouver des origines bibliques, extrêmement anciens. Ça consacre les rois de France avec un grand nombre d'instruments, la couronne, la main de justice, le sceptre, qui servent à affirmer le pouvoir du roi. Alors, est-ce que le sacre fait le roi, ou est-ce qu'il ne fait que manifester avec éclat un pouvoir que le roi est supposé avoir depuis la mort de son prédécesseur? Alors, c'est une question qui va ressurgir assez curieusement, hein, en 1824, de savoir si, est-ce que, effectivement, le roi tient le pouvoir du couronnement, l'archevêque, parce que ça voudrait dire que le roi tient son pouvoir de l'Église, et ça renvoie une mauvaise image. Donc ça va être un sujet polémique qui va entourer le sacre en 1825. Et puis, surtout, surtout il y a une grande atmosphère de création qui s'empare de la maison du roi qui est chargée des préparatifs, parce que les objets, les instruments dont je vous ai parlé, les regalia, comme on appelle ça, ont en grande partie été détruits à la Révolution. Et donc, je m'étais donc intéressé vraiment aux préparatifs de cette cérémonie. Et donc, pour ça, je me suis appuyé sur deux grands types de sources. D'abord, les sources administratives. Il y a les archives de la Maison du Roi, qui sont conservées aux Archives nationales, au bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine, plus précisément. Donc, je vous ai mis un exemple là-haut, alors on ne voit rien du tout, mais c'est une lettre qui, comme on en a beaucoup, dans laquelle le directeur du garde-meuble, qui s'occupe donc, des préparatifs de l'immobilier, demande au responsable des beaux-arts, qu'on pourrait rapprocher des fonctions d'un ministre de la Culture, de débloquer plus de frais pour payer les artisans lors du début des travaux, on est en janvier 1825. Et ce genre de lettre sert donc à suivre les travaux. Et ensuite, donc, on a des archives un peu plus locales, que j'ai moins explorées, qui sont dans la Marne, ou à Reims, notamment les archives de l'archevêché, qui m'intéressent plus actuellement. Et ensuite, on a la presse de l'époque. Alors, le Moniteur universel, je vous ai mis là la une du 29 mai 1825, donc vraiment le jour du sacre. Donc, c'est un journal très factuel qui relate des faits, dit où étaient placés différents personnages. Le Constitutionnel, qui est le principal journal libéral, et le Drapeau blanc, qui est le principal journal droit. Ensuite, je m'appuie aussi sur quelques sources un peu plus secondaires, notamment des mémoires, des mémoires essentiellement d'acteurs. Acteur extérieur au sacre. Parce que il y a quelque chose qui m'a assez vite sauté, si on peut dire, la figure d'un point de vue d'étude, c'est qu'en fait Charles X, à la différence de Louis XVIII ou d'autres rois, il n'a pas laissé beaucoup d'écrits en fait. À la différence de Louis XVIII, il n'a pas de mémoire ni de correspondance publiée. Donc pour apprécier le personnage, on est obligé de s'intéresser à ce qu'on dit les autres de lui, donc aux mémoires de personnages de Sandour, hein, le prince de Polignac, la duchesse d'Orléans. Bon, ça reste toujours des gens qui apportent une certaine vision des faits. Ensuite, la presse dont je vous ai parlé, un problème, c'est qu'elle voit en fait, elle est extrêmement interprétative. Je vais le dire ensuite. Des nouveautés vont être apportées lors du cérémonial du sacre, et dans ces nouveautés, par exemple, la presse ultra verra une réinvention des rites anciens, alors que la presse libérale verra la marque d'une nouvelle page dans l'histoire des sacres des rois de France. Bon.
Et ensuite, donc, des nouveautés introduites dans le cérémonial vont le moderniser plus ou moins. Il y a notamment une prestation de serment sur la charte octroyée par Louis XIV, un peu la constitution, si on peut dire, du royaume. Ça a quelque chose d'extrêmement novateur pour l'époque, et surtout dans l'histoire des sacres. Ça a notamment choqué certaines personnes de l'Église. Ensuite, l'opinion va être un peu électrique parce que le dernier sacre, c'est celui de Louis XVI, ça fait déjà 50 ans. Et Louis XVIII n'a pas été sacré. Alors, il y a une rumeur qui a couru, si on peut dire, dans le monde historiographique, c'est que Louis XVIII aurait renoncé au sacre par sagesse politique, parce qu'il savait que c'était une cérémonie qui rappelait trop l'ancien régime révolu, et que Charles X, au contraire, lui, conscience ultra, l'aurait rétabli dans toutes ses formes. En fait, non. Louis XVIII avait fermement l'intention de se faire sacrer. Mais d'abord, ça a été par des problèmes de logistique, parce que le retour de Napoléon de l'île d'Elbe n'était pas bon prévu. Et ensuite, à cause de raisons de santé qui ont fait qu'il a été incapable de supporter les poids d'une cérémonie aussi longue, qui durait quand même 5 heures dans sa forme d'ancien régime. Il n'y aura que 5 heures en 1820. Et ensuite, il paraît aussi important de dire que les préparatifs se sont quand même extrêmement compliqués. Parce que toutes les lettres que je vous ai montrées, il y en a énormément qui font passer le message qu'on n'a pas assez d'artisans, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de chaises, on n'a pas assez de... on ne sait plus où loger les gens. Les frais sont complètement dépassés et l'événement, en fait, les organisateurs sont parfois un peu pris de court. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment ressorti sur tous les archives que j'ai étudiées. Ensuite, le sacre donc arrive, à la fin du mois de mai 1825. Alors, il y aura quelques incidents, notamment sur le parcours, il y aura quand même un accident de carrosse qui se renversera dans le fossé, des officiers de la maison du roi qui seront blessés. Bon, on aura un peu l'impression qu'il y a un mauvais présage autour de ce sacre. Ensuite, bon, il y aura des personnalités comme Chateaubriand qui auront été un peu fâchées par le pouvoir et donc qui n'auront pas forcément du bien de l'événement. Parce que aussi le pouvoir va donner lieu à ce grand spectacle et puis plus rien en fait. Derrière ça, il n'y a aucun discours véritable construit pour dire, vous voyez, c'est l'occasion de réunir les Français, de renouer avec la chaîne du temps. Non, rien, c'est le sacre là. Il y a des fêtes, ça dure quelques mois et après, le tumulte de la vie politique reprend. La loi du milliard des émigrés dédommage donc le milliard de francs, je ne sais pas. Les anciens émigrés. Même si le principal bénéficiaire, c'est le duc d'Orléans, la loi a quand même plus d'inspiration, etc. Et surtout, la loi sur le sacrilège punit de mort les gens coupables de sacrilège, donc vraiment une loi cléricale, même si dans les faits, on n'a pas de témoin, donc elle ne sera jamais appliquée. Donc, ces questions vont vite reprendre le pas sur le grand spectacle qui a eu lieu. Et en parlant de spectacle, on a quelques contradictions dans les mémoires et tous les propos rapportés que j'ai évoqué, parce que je pense que ce tableau-là qui représente le retour de Charles X à Paris, Barrière de la Villette, 6 juin 1825, est assez représentatif. La plupart des témoignages nous indiquent que lorsque Charles X est revenu à Paris, la foule a été plutôt tiède, silencieuse, clairsemée, plutôt curieuse, donc rien à voir avec ce qu'on a représenté là. Mais on a quand même quelques d'autres témoignages, plus minoritaires, notamment un des fils de Louis-Philippe, donc pas vraiment quelqu'un qu'on pourrait suspecter de grande déférence envers Charles X ou son apothéose, qui dit que ça a ressemblé exactement à ça. Donc, c'est un peu difficile de savoir qui croire. Ensuite, il y a aussi le problème que ça n'a pas vraiment eu le lendemain. Le règne de Charles X commence de façon, j'espère que vous avez communiqué, l'aspect spectaculaire de l'événement que le pouvoir met en scène. Ce règne s'achève 5 ans plus tard par une révolution et la fuite de la famille royale. Bon, c'est pas si... pas extrêmement glorieux comme suite d'histoire. Et ensuite, effectivement, les écoles historiographiques, d'abord l'école positiviste ne va pas du tout s'intéresser à ce genre de souverain ultra, et l'école des annales, côté de marxisme, va pas non plus s'intéresser énormément à cette période. La restauration est d'ailleurs restée longtemps une période relativement oubliée de l'histoire de France. Et même si, bon, ça a son regard, avec un renouveau de la période, je trouve évidemment très intéressant, qui, bon, ne date pas d'hier, hein, il a commencé une quarantaine d'années sous l'égide notamment de personnalités comme Guillaume Berthier de Sauvigny, qui visait donc à remettre au bout du jour, ou en tout cas à s'intéresser à nouveau à la restauration depuis les années 70. Aujourd'hui, ce renouveau existe toujours, même si Berthier de Sauvigny est mort, et il y a d'autres noms comme Emmanuel de Bresquiel, Francis Démier ou Bertrand Bouzin. Et je vous remercie de votre attention. Merci François.
donc après cette plongée dans un des éléments majeurs de la restauration française, on va passer un petit peu vers l'autre bord et vers du coup un événement important des mouvements libéraux qui ont traversé l'Europe pendant la période, et notamment la Révolution grecque, et en fait plus précisément son traitement par des États qui eux étaient plutôt du côté de la conservation, des États pontificaux, donc avec mon collègue Nicolas. Merci Tom, merci François. C'est pratique le fait que tu viens d'évoquer plus ou moins le contexte de l'ordre de Vienne, plus ou moins plutôt du côté français, comme ça je ne vais pas y revenir. Donc en 1821 commence le premier soulèvement de la guerre d'indépendance grecque, et on va voir que c'est autant un sujet qui concerne les grandes puissances européennes, donc la France, le Royaume-Uni ou encore la Russie, que les territoires grecs ou l'Empire ottoman. Donc cette guerre d'indépendance grecque, elle a surtout profité d'un fort soutien politique et militaire, notamment autour de l'année 1827, parce que les massacres qu'ont subi certaines villes grecques, comme celle de Missolonghi, ont suscité un émoi collectif assez fort auprès des élites européennes, notamment les élites intellectuelles ou artistiques. D'un autre côté, il y a eu aussi un fort soutien artistique et littéraire, c'est plus donc celui-là qu'on a retenu. On voit ici donc la figure de Lord Byron, le poète romantique anglais, qui est resté donc la figure la plus importante de ce mouvement, qui est donc le philhellénisme. Donc je définis succinctement ce terme. Donc c'est dès 1821, ce soutien à la cause grecque de personnalités pour la plupart non grecques ou d'origine grecque, donc à la Révolution grecque. Du côté italien, il y a par exemple Gioacchino Rossini qui va recomposer un opéra, donc l'Assedio di Corinto, le siège de Corinthe, en français et en italien. Et le jeune Victor Hugo en France va publier Les Orientales, donc œuvre fortement teintée d'orientalisme, en hommage surtout à cet événement de Missolonghi vers 1827. Donc on voit qu'il y a des raisons diverses de ce soutien à la Grèce en fonction donc de l'origine culturelle du pays ou de la formation intellectuelle de ses élites. Et plusieurs variables expliquent donc ce soutien. On verra aussi qu'elles sont fortement marquées par des paradoxes. C'est le cas avec le cas italien. Alors mon étude de cas se porte sur les États pontificaux. Donc voilà ici, qui donne donc sur la côte adriatique et tyrrhénienne. Et dans une période où ils viennent de retrouver leurs frontières depuis 1815 qu'ils avaient avant donc l'occupation napoléonienne de 1799. Et ça se ressent parce que c'est des États qui sont encore marqués par la peur du complot, par la peur de l'envahissement, et qui sont surtout envieux donc de quelques-uns de ses voisins, comme le royaume des deux Siciles avec Naples, et le royaume lombardo-vénétien, qui, autant sur le plan militaire qu'économique et commercial, sont beaucoup plus en avance que les États pontificaux. Donc, une des solutions, en fait, ça va être, c'est ce que j'ai étudié, de s'étendre vers le Levant, donc, et d'être confronté aux troubles grecs, toujours en copiant, en fait, Naples et Venise. Pour revenir un peu sur la dimension transnationale du sujet, donc, on traverse l'Adriatique et on zoome un peu sur la Grèce. D'abord, quand je vais parler de Grèce jusqu'à 1830, c'est seulement ça, dans ce qu'on appelle la ligne de Volos, ici. Donc les premiers soulèvements se feront ici, à Patras, donc on voit que c'est un peu à l'opposé de la capitale ottomane, Constantinople. Et on voit donc que c'est le début d'un processus qu'on qualifiera plus tard de nationaliste. C'est pas tellement un terme qu'il faut utiliser pour le 19e siècle, notamment parce que la question de nation, en fait, on se situe encore dans la seconde modernité. La nation pouvait être, par exemple, une diaspora grecque à Marseille était appelée nation donc, par la langue, sauf que le sentiment identitaire grec donc, du début 19e siècle est plus marqué par la religion, en fait, par le fait d'être orthodoxe. On pouvait se sentir grec sans parler grec, et inversement. J'en profite aussi pour parler donc
des îles Ioniennes, parce que c'est surtout sur ce territoire que c'est porté, sont portées mes recherches, donc ici, avec Corfou, l'île principale, qui était en fait un protectorat britannique, mais sur lequel personne ne parlait anglais, donc on parlait soit un dialecte gréco-vénitien, soit grec, soit italien. Et c'est de là en fait que proviennent il y a plusieurs dizaines de courriers que j'ai pu lire, donc de consuls. Ça me laisse l'occasion d'introduire ce qu'était un consul. Donc c'était des agents, donc partout en Europe c'était la même situation à l'époque, c'était des agents qui travaillaient pour le pouvoir, donc dans des ports étrangers, pour le pouvoir pontifical. Par exemple, il y en avait une trentaine à cette époque en Méditerranée, en Europe, qui travaillaient pour Rome. Et donc ces lettres transitées par Ancône, j'ai montré tout à l'heure la côte adriatique, par bateau, ça prenait un peu plus d'une semaine, et après par voie postale, arrivées à Rome, au palais du Camerlin. Donc pour éviter tout anachronisme, je ne veux pas comparer le Camerlin à d'autres postes ministériels d'aujourd'hui. En fait, le Camerlin avait à sa charge la plupart des affaires politiques de l'État, mais aussi les affaires étrangères, notamment maritimes. Donc, il avait aussi en son pouvoir de nommer les consuls. Donc on voit que, comme je suis sur la hiérarchie, qui est un grand absent pour le moment, c'est le pape, plutôt les souverains successifs, puisque quatre se sont succédés au cours de la Révolution grecque. On note des silences assez assourdissants de la part des papes, qui, quand on compare ça en fait à l'omniprésence du Camerlin, qui connaissait tous les sujets internes et extérieurs, et qui bénéficie en fait de ces consuls, qui étaient en quelque sorte ses yeux en Méditerranée. J'ouvre une petite parenthèse pour relativiser mon propos. Cette absence du pape, c'est aussi dû à mes sources, qui en fait, la plupart sont dirigées, sont envoyées à des palais donc, du Camerlingue. Et j'étudie une période où en fait, le pape n'avait pas encore déménagé complètement au Vatican avec toute sa cour. Donc j'ai la chance que ces archives ne soient pas ce qui s'appelait jusqu'à cette année les archives secrètes du Vatican, auquel cas j'aurais pas pu y accéder, mais ont été récupérées par les archives d'État de Rome. Je reviens sur les consuls, donc, en citant un document envoyé par le Camerlin de 1826, Francesco Galeffi, à un consul à Corfou. Donc il s'agissait d'une circulaire sur, je cite, « les devoirs et incombances des consuls, vice-consuls et agents consulaires pontificaux résidant dans les ports étrangers ». Et leur mission, je cite de nouveau, était de veiller aux intérêts et à la protection du commerce, de la navigation et des sujets pontificaux. C'est assez restrictif, en fait, ces instructions circulaires, parce qu'au final, en fait, on constate que les consuls étaient aussi chargés d'établir des tableaux très complexes de douanes et de taxes. Par exemple, les taxes changeaient en fonction de la destination précédente d'un bateau. Donc, si un bateau arrivait de l'Équateur tunisienne à Corfou, c'était beaucoup plus cher qu'un bateau français ou portugais. Et c'est donc à l'époque, personne ne connaissait mieux donc la mer Méditerranée et l'actualité donc politique aussi qu'un consul, ainsi que l'activité commerciale. Donc, c'est là que se concentre beaucoup de prestige, mais aussi un jeu de pouvoir très important pour les différentes cours européennes. Donc parmi ces courriers dont je vous parlais, j'ai choisi de vous montrer cette lettre qui est rédigée donc par le consul à Corfou Jean-Baptiste Adeliodi en 1827, dans laquelle en fait il dit au Camerlin avoir eu l'information d'un vice-consul, donc on voit que les informations ne sont pas non plus direct, on passe de main en main, de bateau en bateau, on n'est pas du tout sûr à la fin de l'information. Donc il y a eu l'information de ce qui est l'exemple parfait d'un philhellène, donc d'un volontaire philhellène à l'époque. Il ne s'agit pas moins du neveu de Napoléon Bonaparte, donc de la frange italienne, le fils de Luciano, c'était quelqu'un de 19 ans, donc d'une famille lettrée, qui a étudié à la prestigieuse université de Bologne, et qui a choisi, alors sûrement peut-être sans connaître la Grèce, en connaissant un peu ce qu'on lui avait montré, ce qu'on lui avait fait entendre de la Grèce, d'aller au combat, en fait, de quitter clandestinement donc, les terres pontificales en prenant un faux passeport, et d'aller rejoindre donc, Lord Cochrane, donc,
les amiraux anglais pour combattre. Donc, pour la petite histoire, quelques semaines après, il est mort en maniant un pistolet. Enfin, plusieurs sources sont contradictoires. Un peu comme donc Lord Byron, en fait, peu sont les volontaires fidèles qui sont morts au combat. Lord Byron, par exemple, est mort de la malaria. En fait. Pour compléter un peu cette idée du philhellénisme, on voit qu'elle était teintée d'un fort orientalisme, mais aussi de beaucoup de fantasmes et de rêves. On sort de l'influence néoclassiciste du siècle précédent, de la tradition des grands tours aussi, et de cet Orient rêvé, de ce Levant très fantasmé. Et du côté de Rome, c'est pas du tout les mêmes idées qui tournent au sein de la cour. Donc, par le biais de bulles pontificales ou d'encycliques, la papauté faisait savoir sa position sur certains sujets. Donc, c'est le cas ici, donc, le 13 mars 1826, avec Pro Graviora Mala. Donc, les noms des encycliques, c'était juste les noms des débuts du texte en latin. Ici, donc, toujours plus grands sont les désastres. Qui se consacrait en fait à condamner, donc, je cite, les désastres qui menacent le troupeau de Jésus-Christ, à savoir, selon l'interprétation ici de Léon XII et de ses prédécesseurs, les obédiences maçonniques. En effet, donc, je cite de nouveau, cette secte implacable ennemie de l'Église catholique représentait un danger dans le sens où, pour Rome, elle propageait des valeurs occultes et déviantes. Alors, vous allez vous demander pourquoi je parle des francs-maçons alors qu'on était sur la révolution grecque. C'est parce que on assistait en fait à une catégorisation de la part du pouvoir de toutes les idées, alors libérales au sens politique du XIXe siècle, comme sectaires et déviantes. C'était le cas aussi donc, du carbonarisme, qui menaçait fortement les états pontificaux. Donc le carbonarisme, c'était un peu un équivalent politique de la franc-maçonnerie, donc qui était, enfin, en tout cas basé sur le même modèle, c'est-à-dire initiatique et secret, qui se disait libéral, encore une fois, pour le début du XIXe, parce qu'il y avait beaucoup de nostalgie, en fait, de l'époque napoléonienne. Et il y avait ce pendant français, donc la charbonnerie, qui est assez semblable en France. Sans l'aide en fait de l'Autriche et de Metternich, les soulèvements carbonaristes en fait auraient fortement fragilisé les états pontificaux à cette même période. D'ailleurs, les états pontificaux republieront une autre encyclique pour remercier en quelque sorte l'Autriche d'être intervenue. Et le lien avec le philhellénisme, c'est que les franges des volontaires philhellènes ou les intellectuels étaient fortement marqués par cette tradition un peu insurrectionnelle, carbonariste et franc-maçonne. Les grandes figures en fait de l'État grec, enfin, les pères fondateurs, la plupart d'entre eux étaient donc francophiles, anglophiles et francs-maçons. Les Illioniennes étaient aussi un fort foyer de franc-maçonnerie, donc depuis l'influence anglaise qu'ils ont eue. Pour conclure rapidement, donc Rome, on voit que sans participer aux tractations diplomatiques pour créer en fait cet État grec, c'est pas en aucun cas les Grecs qui ont intronisé donc, le roi Othon en 1833. Ils ont en fait finalement choisi le camp, donc ce qu'on appelle du statu quo, donc de la stabilité. C'est un cas parmi les autres, les États pontificaux, mais d'autres puissances conservatrices avaient la même position. Et paradoxalement, en fait, les Grecs, qui étaient donc, selon Rome, considérés comme atteints d'une cécité religieuse et considérés comme des schismatiques, c'est le terme catholique que j'utilise, se retrouvaient être des alliés de choix, autant politiquement que commercialement. En fait, même s'ils sont orthodoxes, on va assister en fait dès 1833 et jusqu'en 1835 à des consuls qui vont faire la cour à la cour de Grèce. Et on va retrouver un peu, pour s'inspirer de Norbert Elias, d'un habitus de cour. On va vite se sentir chez soi à Athènes ou à Anopi dans les capitales précédentes. Et je vous remercie. Nicolas, cette intervention, on va maintenant faire un bond temporel, puisqu'on va être projeté dans les années 1870, peut-être
un élément faisant le lien, c'est la question italienne, et notamment la forte présence italienne dans les insurrections marseillaises, que ne va pas tarder à vous présenter mon collègue Matteo. Donc, moi je vais vous parler des insurrections qui ont secoué la ville de Marseille en 1870 et 1871. Donc on va faire un retour en arrière, on va remonter jusqu'à l'année 1848 et le mois de février qui voit une insurrection à Paris chasser du pouvoir le roi Louis-Philippe et mettre en place la Seconde République. Quelques mois plus tard, en juin 1948, il y a une nouvelle insurrection, plus typiquement ouvrière cette fois-ci, et le pouvoir républicain choisit la répression. Il y a des milliers de morts à Paris. À Marseille aussi, il y aura une insurrection, elle fera plusieurs dizaines de morts. Et à partir de là, il y aura une méfiance des ouvriers, plus généralement des classes populaires, envers le pouvoir républicain. Et du coup, quand le président élu, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État le 2 décembre 1851, ben finalement, il y a assez peu de gens pour protester, en fait. Que ce soit à Paris, à Marseille, à Toulouse non plus, il y a eu une charge de cavalerie au Capitole, mais globalement, en France, il assoit son pouvoir assez facilement. Et quelques mois plus tard, il se fait sacrer empereur des Français, il devient donc Napoléon III. Et met en place le régime du Second Empire. Alors pour faire vite, le régime du Second Empire, pendant 10 ans, ce sera vraiment très autoritaire, très fermé comme régime. Et il y a une libéralisation qui arrive au milieu des années 1860. Parallèlement à une percée républicaine aux élections. Et tout ça, les républicains donc, augmentent leur vote jusqu'en 1868, qui marque un peu un tournant en fait. On a une nouvelle loi qui donne la liberté à la presse, avec de nombreux journaux d'opposition qui apparaissent. À Marseille, il y a l'égalité ou la voix du peuple, à Toulouse, on a l'émancipation. Et surtout, on a le retour des 48 arts. En fait, les 48 arts, c'était des militants, des hommes politiques qui ont participé aux révoltes de 1848 et qui ont fait un pas de côté en 1851, qui sont sortis qui ont arrêté de militer par peur de la répression ou tout simplement par dégoût aussi de ce qu'avait fait la Seconde République, des répressions qu'elle avait engendrées. Et donc ces 48 arts reviennent dans la vie publique et s'activent dans les luttes sociales. On a tout un cycle de grèves ouvrières en 68-69 et la contestation qu'on voit de nouveau au grand jour. En fait, on voit notamment la réapparition des émeutes populaires, notamment à Toulouse. En mars 68, il y a eu 3 jours d'émeutes qui ont enflammé les quartiers ouvriers contre une loi d'enrôlement militaire. Marseille, il faudra attendre la fin 69 pour voir des milliers de personnes manifestaient contre le régime au cri de « Vive la République, abat la police ». Et c'est un chiffre qui est assez énorme quand on sait les risques que prenaient les manifestants. Donc c'est dans ce climat qu'arrive le meurtre de Victor Noir par le neveu de Napoléon III. Victor Noir, c'est un journaliste républicain. Donc il s'est fait tuer par le neveu de Napoléon III. Parce qu'il aurait écrit sur la famille impériale des choses qui n'avaient pas plu au neveu, pour faire simple. Et donc, 2 jours après, on a des milliers de personnes qui se retrouvent sur la Canebière à Marseille en hommage à ce jeune journaliste. L'ambiance est assez survoltée. Les gens présents sont armés de casse-têtes, de revolvers, de poignards, de cannes. Et ça parle de prendre la préfecture. On attend en fait des nouvelles de la gigantesque manifestation qui a au même moment à Paris. C'est 200 000 personnes qui manifestent. Et finalement, à Paris comme à Marseille, les leaders ouvriers, qu'ils soient socialistes, anarchistes ou blanquistes, décident qu'il est trop tôt pour s'en prendre de manière frontale au régime. En fait, ils ont peur de donner une excuse au pouvoir pour réprimer le mouvement républicain et le faire taire pour encore de nombreuses années. Mais Napoléon III a quand même compris qu'il fallait engager de nouvelles réformes. Donc au printemps 70, il met en place une réforme parlementaire
Il l'a fait voter par plébiscite. Alors c'est une large victoire pour Napoléon III. Les gens le soutiennent à plus de 90%, sauf dans les grandes villes, que ce soit voilà, Marseille, Paris, Toulouse, Lyon, c'est les Républicains qui l'emportent, mais voilà, c'est, au niveau national, c'est très minoritaire. Mais qu'il ait gagné ou pas le plébiscite, pour beaucoup de Républicains, de révolutionnaires, l'Empire doit tomber. Ça, ils ont pris la confiance, ils savent que c'est possible, ils savent que ça vacille, et ils vont plus lâcher l'affaire à partir de là. En juillet 70, il y a la France qui déclare la guerre à la Prusse. Et voilà, il y a des grandes manifestations de ferveur patriotique, notamment à Marseille, parce qu'il y a des passages de troupes qui arrivent d'Algérie et qui vont monter vers le nord-est de la France. Mais surtout, parallèlement à ça, il y a des troubles qui éclatent contre la guerre. C'est assez peu commun. Il y a des manifestations où les gens s'en prennent à Napoléon III, au régime, à la police. On n'attaque pas l'armée. Mais plutôt le régime spécifiquement. Et ça va grandissant au fil de l'été, parce que la France s'entête à perdre bataille sur bataille contre la Prusse, jusqu'à ce 8 août 70, où en fait il y a des dizaines de milliers de personnes qui manifestent dans la ville de Marseille et qui vont marcher sur l'hôtel de ville. Et en fait, ils vont proclamer la première commune révolutionnaire de Marseille, qui est en avant celle de Paris. Ils choisissent pour chef Gaston Crémieux, qui est un avocat de métier. Il est appelé l'avocat des pauvres, puisqu'il défendait les pauvres, souvent sans les faire payer. Et voilà, il fait assez consensus chez les républicains. Il est respecté autant par les républicains exaltés, comme on disait à l'époque, ou par les plus modérés. Il faut voir que cette commune, elle a duré une après-midi, en fait. Les forces de l'ordre arrivent et dispersent assez facilement la foule, et ils arrêtent les 27 leaders qui étaient dans l'hôtel de ville en train de rédiger une proclamation. Mais ce n'est que partie remise pour les républicains, parce que le 4 septembre, à l'annonce de la capture de Napoléon III par les Prussiens, la République est proclamée, alors d'abord à Lyon, puis Paris, et dans la foulée à Marseille et ailleurs en France. Et du coup, il y a une foule énorme qui libère les 27 prisonniers. Et ensuite, c'est un déchaînement de violence contre les symboles de l'Empire. On détruit les statues équestres de Napoléon III. On s'en prend à tout ce qui peut faire penser de près ou de loin à l'Empire, que ce soit les hampes de drapeaux avec un aigle royal ou autre. Les édifices publics sont ornés de drapeaux rouges et de drapeaux noirs. Et on s'en prend aussi physiquement aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires de l'Empire, et tout spécialement aux policiers. Il y a 200 policiers qui se feront arrêter et parfois lynchés par la foule. L'un d'eux mourra, en mourra de se faire lyncher, un autre se suicidera en cellule. Et là-dessus, la foule en profite pour prendre d'assaut la préfecture et y installer une milice ouvrière, la garde civique, qui pendant 2 mois fera plus ou moins la loi en ville. Là-dessus, Gambetta, qui est le nouvel homme fort du gouvernement, nomme Esquiros, administrateur général de la ville. Esquiros, c'est un républicain qui s'est fait élire député à Marseille, qui est très respecté des Marseillais. Le but de Gambetta, c'est que tout rentre dans l'ordre, que les Marseillais se calment et qu'on puisse se concentrer sur la guerre contre la Prusse. Du coup, Esquiros, il arrive début septembre, il se fait accueillir et acclamer par 100 000 Marseillais, sur une population de 300 000 personnes, mais voilà, une manifestation énorme. Et en fait, Esquiros, loin de calmer les choses, il s'appuie sur cette milice ouvrière, la garde civique, pour gouverner. En fait, il n'avait pas trop le choix, parce que les forces de l'ordre étaient complètement désorganisées, comme on l'a vu, c'était tous soit fait arrêter, soit ils étaient partis en exil. Et donc, la garde civile, c'est la seule force armée capable de maintenir l'ordre. Il y avait aussi une garde nationale, mais elle est plus bourgeoise, à ce moment-là, elle reste dans l'expectative. Elle attend un peu de voir ce qui va se passer pour prendre position. Et donc les troupes vont continuer pendant 2 mois. Je disais maintien d'ordre pour la garde civique, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. En fait, pour Antoine Olivézi, qui est le principal historien de la commune de Marseille, lui, il parlait d'en fait une force d'insurrection permanente. C'est comme ça qu'il qualifiait la garde civique. Et donc cette garde civique, aidée de la foule, on va dire ça comme ça, du peuple marseillais, s'attaquent à la mission de France des jésuites qui avaient soutenu Napoléon III. Voilà, ils envahissent leur siège, ils le pillent. Ils envahissent aussi un journal monarchiste qui est ensuite interdit par décret. À côté de ça, il y a des assemblées qui se tiennent chaque jour pour discuter d'affaires importantes comme insignifiantes dans,
dans chaque quartier de la ville. Il y a une espèce de ferveur, il y a un bouillonnement révolutionnaire dans un peu tout Marseille. Il y a des mesures sociales qui sont prises en faveur des ouvriers. Et il y a la création aussi de la Ligue du Midi. C'est en fait un regroupement de 13 départements pour lever une armée, pour aller combattre les Prussiens d'une part et pour consolider la République d'autre part. Et ça ne plaît pas du tout au gouvernement central, au gouvernement français, qui n'a pas du tout envie qu'il y ait une armée qui se lève en France et qui ne soit pas sous son contrôle direct. Et donc ça pousse Gambetta à siffler la fin de la récréation et à demander la démission d'Esquiros. En réponse, les révolutionnaires vont prendre l'hôtel de ville. Ils avaient déjà la préfecture. Là, ils vont à l'hôtel de ville pour proclamer une nouvelle commune révolutionnaire le 1er novembre 1870. On est vraiment à deux doigts de la guerre civile, entre d'un côté les troupes régulières et la garde nationale, l'obédience bourgeoise, et de l'autre la milice ouvrière, la garde civique et le peuple marseillais. Voilà, les troubles dureront 4 jours. Il y aura des fusillades, quelques morts, mais globalement, on a évité la guerre civile en tout cas. Et en fait, c'est la milice ouvrière qui se rend, qui négocie et se rend parce qu'elle se rend bien compte que voilà, elle n'a pas de quoi. Le rapport de force ne penche pas du tout en sa faveur. Du coup, cette milice ouvrière, elle est dissoute et le calme revient. Et suite à ça, pour l'hiver 70-71, l'intérêt des Marseillais se reporte sur la guerre contre la Prusse, que la France continue de perdre, jusqu'en février 71, où la France va signer l'armistice avec la Prusse. Et quelques semaines plus tard, dès mars 1871, les troubles reprennent. En fait, c'est à l'instigation des immigrés italiens qui se lancent dans la grève. Il faut voir que les immigrés italiens sont très présents à Marseille à cette époque. Ils représentent 16% de la population et il y a des villages aux alentours de Marseille où ils représentent plus de 50% de la population totale. Ils sont assez mal vus des Français, il y a d'énormes préjugés. Mais en tout cas, ils se lancent dans la grève dans le port de la ville, dans les huileries, dans les fabriques. Et les autres travailleurs les suivent en fait. On peut citer les balayeurs de rue, les chauffeurs, les boulangers, les raffineurs, etc. Et c'est dans ce contexte vraiment explosif que vient la nouvelle de la révolte du 18 mars et de la proclamation de la Commune de Paris. Pour que la Commune de Marseille soit proclamée, il faut attendre encore quelques jours, le 24 mars, que d'anciens de la garde civique, la milice ouvrière, suivis par la foule, prennent une nouvelle fois la préfecture et proclament la Commune de Marseille. À sa tête, on y place Crémieux, l'avocat des pauvres dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas la seule commune hors de Paris qui est en France, on aurait eu une aussi, Paris, il y en a eu à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble ou Narbonne. Mais globalement, ces communes ne réussissent pas à affirmer leur pouvoir en fait. En dehors de Paris, il n'y a plus cette ferveur révolutionnaire qu'on a pu sentir à l'automne 70. Il n'y a plus cet engouement. Même si le peuple marseillais soutient la commune de Marseille, voilà, il s'implique moins. En plus, il y a beaucoup de fonctionnaires qui décident de ne pas aller travailler parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de ce gouvernement révolutionnaire, enfin de ce pouvoir révolutionnaire. Et donc ça pousse les troupes versaillaises à attaquer la ville le 4 avril. Il leur faut toute la journée pour reprendre le contrôle de la ville. En fait, ils vont se placer sur la colline de la Bonne Mère, il y a l'église la Bonne Mère, pour bombarder la préfecture et d'autres quartiers. C'est ce qu'on voit sur la diapositive. C'est une des rares gravures qu'on a de cette période, en fait. Parallèlement, en ville, il y a des combats féroces qui font 150 morts du côté des insurgés et des centaines d'arrestations. Gaston Crémieux aussi se fera arrêter, il se fera juger et exécuter. C'est le seul qui se fera exécuter pour les faits de la commune de Marseille. Et donc, cette grosse répression signera la fin de ce cycle de lutte révolutionnaire à Marseille. En fait, le pouvoir a bien compris que la ville était un peu ingérable et il décide de la mettre en état de siège jusqu'en 1876. État de siège, c'est-à-dire interdiction de se réunir, de se coaliser,
quadrillage policier de la ville, etc. Mais malgré ça, il y a quand même des grèves ouvrières qui continuent dans les années 1870, à tel point que les observateurs de l'époque, les parlementaires, les journalistes, décerneront à Marseille le titre de ville rouge qui lui collera à la peau pour des dizaines d'années encore. Voilà. Merci Mathéo, et on va maintenant partir au port de Marseille, prendre un bateau et rejoindre le fleuve Sénégal avec l'introduction, avec la présentation des travaux d'Antoine sur du coup, le fleuve Sénégal. Merci Tom. On a fait des histoires de fleuves, on a fait l'histoire du Rhône, de la Seine, de la Tamise, on a fait l'histoire de fleuves du monde. Pour ma part, je fais l'histoire du fleuve Sénégal, je l'étudie spécifiquement entre 1870 et 1910, donc sous la colonisation française, cela sous la direction de Emmanuel Burmistisran, et je la remercie d'être venue. Cette photographie que vous voyez derrière moi illustre, je crois, assez bien mon sujet, dans la mesure où, en premier plan, on voit un Français qui nous tourne le dos, il est en tenue coloniale, et il regarde deux enfants qui se baignent, cela sous le signe du drapeau français. Je crois qu'en effet, je fais plutôt l'histoire du regard des Français sur le fleuve Sénégal qu'une histoire du fleuve en lui-même. Alors, le fleuve Sénégal se situe ici. Je l'étudie, oui, entre 1870 et 1910, parce que c'est le moment où les Français vont concentrer leur présence dans la vallée du fleuve. Ils vont y réaliser le plus de travaux et faire le plus d'efforts d'aménagement. Leur objectif, c'est porter plus loin les frontières du commerce et utiliser le fleuve comme moyen de transport pour leur conquête militaire impérialiste. Le fleuve n'est pas employé tant que ça pour l'agriculture. De fait, la colonie du Sénégal n'est pas une colonie de peuplement. Et l'aménagement du fleuve, dans une certaine mesure, va refléter cette ambition des Français pour le Sénégal. Les Français sont peu nombreux. Ils essayent de faire du fleuve leur atout tactique et voire en faire un outil de puissance symbolique, comme j'ai pu chercher et comme j'ai pu le démontrer dans mes travaux. Alors la question qui, j'en suis sûr, est la vôtre, c'est pourquoi faire l'histoire d'un fleuve africain en 2019 ? Pour essayer de rendre la chose plus claire, je partirai du mouvement historique qui a été pour moi une grande source d'inspiration, c'est-à-dire l'hydrohistoire. Ensuite, j'expliquerai ce que j'en fais pour mon étude spécifique. Et enfin, j'essaierai de vous donner une idée de ce qu'a vraiment représenté la colonisation française par le fleuve dans la vallée du Sénégal. Au-delà du discours ambiant français, discours apologétique, dogmatique, qui sont ceux de la colonisation, vous les connaissez. On va commencer avec l'hydrohistoire. Alors, le courant de l'hydrohistoire a émergé dans les années 1980. Pour ce qui est de son nom, il s'agit de l'association du grec hydrios, c'est-à-dire relatif à l'eau, et puis historia. Vous savez que on reconnaît que historia signifie enquête. On dit de Guy Lemeunier qu'il est le père de l'hydrohistoire avec ses travaux sur l'irrigation dans l'Espagne médiévale, mais en réalité l'hydrohistoire est plus ancienne. J'en veux pour preuve l'historien Patrick Boucheron qui disait de son maître Yvon Thébert que ce dernier faisait de l'hydrohistoire sans le savoir. L'histoire de l'eau donc, ou plutôt pour être plus précis, l'histoire de la maîtrise de l'eau par l'homme. On s'est rendu compte en effet qu'interroger l'usage de l'eau dans les sociétés humaines et même dans les sociétés passées pouvait nous apprendre bien des choses. Alors, l'eau est un prétexte, c'est un outil seulement, un instrument. Elle permet de s'intéresser à des lieux, bien sûr les mers, les lacs, les fleuves, ce qui permet des variations d'échelle intéressantes, mais également à des problématiques. C'est très intéressant quand l'eau manque,
même si c'est pas drôle. Il y a aussi la question de l'acheminement de l'eau, son assainissement. Et puis, c'est s'intéresser à des professions. Alors ici, les chercheuses d'eau à Saint-Louis, mais bien sûr, les puisatiers, les ingénieurs hydrauliciens, les pêcheurs. Enfin, s'intéresser à l'eau, c'est s'intéresser aux techniques, le dynamitage de digues, le dragage de chenaux, et j'en passe. Donc avec ces matériaux de vous présenter la diversité et la richesse, l'historien va aller chercher les motifs qui l'intéressent, comme par exemple les rapports de pouvoir, les inégalités de conditions, les contraintes et la façon dont on les surmonte. Alors, il existe des histoires de fleuves français. Par exemple, Jean-Paul Bravard a travaillé sur le Rhône. Pour ce qui est de la Seine, je citerai Laure Beaumont-Maillet qui a écrit L'eau à Paris en 1991 et Isabelle Bacouche également, qui elle est partie du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors, un ouvrage qui m'a particulièrement fait comprendre mon sujet, malgré toutes les différences entre les situations, c'est celui de Vincent Lemire, La soif de Jérusalem. Il montre que l'étude de l'eau n'est en l'occurrence qu'une porte d'entrée vers un contenu idéologique, parfois symbolique, qui est une matière riche pour l'historien et qui, sans l'eau, demeurerait invisible. Ceci étant dit, on va parler du fleuve Sénégal. Quelles sont les caractéristiques de ce fleuve? C'est un fleuve moyen du continent africain. Il fait 1700 km, prend sa source en Guinée, se jette dans l'océan Atlantique par son embouchure qui s'appelle Saint-Louis, qui est alors la capitale au Sénégal, de l'Afrique occidentale française. J'ai dit fleuve moyen à l'échelle de l'Afrique, car pour les Français, c'est déjà un fleuve plus grand que le plus grand des fleuves de métropole, à savoir la Loire et son millier de kilomètres. Donc il faut se rendre compte de cela. Alors il y a une première portion du fleuve qui est la plus visitée pour les colons. C'est l'endroit où ils se sentent le plus en sécurité, et l'endroit où ils sont au mieux. C'est cette portion que j'ai indiquée en bleu, qui fait à peu près 200 km. Les Français vont y concentrer leur présence. Passer cette zone, on se situe dans une géographie plus enclavée, moins fournie en infrastructures, et cela jusqu'à Kay, que j'ai indiqué à l'extrémité. À partir de Kay, les bateaux ne peuvent plus circuler. Donc voilà, la portion navigable du fleuve est celle-ci. Ce trajet équivaut à 575 km à vol d'oiseau, mais bien sûr, pour le voyageur, c'est plutôt 700 km de voie navigable qu'il faut parcourir en chaland, c'est-à-dire des navires à fond plat. J'ai entouré les principales escales du fleuve. Ce qui faisait défaut, à mon sens, c'était une étude plutôt holiste, plutôt englobante, une étude historique du fleuve et de sa vallée qui ne se limitait pas seulement aux aménagements. Alors je vais passer à un exemple de l'application de l'hydrohistoire, à savoir amener l'eau à Saint-Louis. En effet, l'eau manque. Le contexte est celui-ci. On a un ancien comptoir colonial Saint-Louis fondé en 1659, qui devient une porte d'entrée sur l'Afrique occidentale et sur le fleuve. Alors deux siècles plus tard, l'eau manque, mais comment une ville fluviale peut-elle manquer d'eau au juste? Eh bien parce que l'eau du fleuve à ce niveau est une eau brune, c'est une eau corrompue, qui n'est pas potable. Donc les solutions qu'on va chercher à trouver, c'est de recueillir l'eau des pluies. Alors c'est assez incertain du fait du climat subtropical, donc les pluies peuvent parfois se faire rares. On va également employer un bateau-citerne qui, pour les besoins de la ville, va remonter le fleuve sur plusieurs dizaines de kilomètres afin d'y trouver une eau à peu près potable et la ramener à la ville. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'égout à ce moment-là à Saint-Louis, donc au 19e siècle, et on jette le pot de chambre directement dans le fleuve. Voilà. Donc ça dit l'insalubrité ambiante. Et puis enfin, on va essayer de puiser de l'eau dans les sables du littoral. L'eau est très souvent salée, donc ça ne marche pas mieux. Donc un contexte qui est peu propice au développement. Et on aurait pu en rester là, dire il n'y a pas assez d'eau, mais non. On va continuer, on va décider de forer un puits artésien, donc là où l'eau jaillirait pour doter Saint-Louis donc en eau potable, en 1861. Alors, un an plus tard,
Ce puits fait 140 mètres de profondeur, ce qui est très profond pour l'époque, donc on a là un projet qui est très technique. Une fois qu'on a fait un puits, en fait, le puits va s'effondrer sur lui-même, donc en fait, on va réaliser que ce n'est pas possible. Du reste, on avait prévu de faire venir des tuyaux de métropole pour isoler l'eau dans le puits, mais les tuyaux sont trop larges. Donc, c'est dire que quand on creuse ce puits, on ne connaît pas le diamètre et les instructions qui sont envoyées à Paris sont des instructions erronées. Donc, c'est un échec pour ce qui est du puits. On va faire amener l'eau depuis un marigot qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Saint-Louis. Le marigot étant situé sous le niveau de la ville, la gravité fait que l'eau ne peut pas cheminer à travers, en une nouvelle fois, des tuyaux qui vont être placés. Donc, on utilise une machine à vapeur, on va essayer de pousser l'eau à l'intérieur des tuyaux par pression. Donc, voilà. Ceci pour dire que en 1871, donc 10 ans plus tard, on arrive à doter Saint-Louis en eau, mais ça reste très imparfait. Donc que ce soit par quelques puits qu'on peut réussir, par ces tuyaux qu'on va installer jusqu'au marigot, ça reste un échec en demi-teinte. De manière générale, ces travaux étaient relativement complexes à effectuer et demandaient des moyens qui dépassaient ceux des colons dont ils avaient à disposition à l'époque. Alors, la question, c'est quel a été l'usage du fleuve ? Il faut en premier lieu parler du plus évident, et c'est les conclusions auxquelles je viens. Alors d'abord, l'usage militaire. Le Sénégal est envoyé en effet, et pardon, est employé pour amener les militaires au Soudan français, qui se situe plus loin. Alors j'ai mis là une illustration de ces équipés, vous voyez, donc des Français qui utilisent des chalands, dont je parlais plus tôt. L'usage commercial du fleuve. Le fleuve avait en effet servi, avant le 19e siècle, au commerce des esclaves. Et la période qui m'occupe, on est passé du commerce illicite au commerce licite, donc de marchandises, qui est une survivance de la traite négrière. Les marchandises, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est la gomme arabique qui sert à fabriquer le savon, notamment, et l'arachide, très prisée en Europe, et ça va jusqu'à Marseille et Bordeaux. Il y a enfin l'usage que j'appellerais l'usage hydraulicien. J'en ai parlé avec l'exemple de l'eau potable à Saint-Louis, dont on voit les difficultés. On peut aussi y rattacher les travaux pour améliorer le transport du fleuve. Cela passe par le dynamitage de rochers, l'extraction d'épaves naufragées qui gênent les navires qui circulent et les menaces de les faire sombrer à leur tour. Donc un fleuve très encombré et qui rend la navigation extrêmement difficile. Je l'ai dit, les projets sont très difficiles à mener parce que leur ambition est relativement utopique. L'idée de faire se connecter, l'eau du fleuve Niger et l'eau du Sénégal afin de permettre une transition d'un fleuve à l'autre pour couvrir plus de distance est une ambition qui se révèle être démesurée. Et certainement encore, elle le serait aujourd'hui. Je vais parler du fleuve comme appui des colons. Alors, deux discours s'opposent en général, un discours plutôt apologétique de l'œuvre des colons dans la vallée du fleuve, et puis un autre bien plus dominant, qui est un discours de la désillusion, qui dépeint ce territoire comme une sorte d'enfer. Alors, voici ce que dit le colonel Frey, qui parle de la vallée du fleuve en 1890. Il décrit la vallée en des termes peu accueillants. L'acclimatement des Européens est absolument impossible dans le Haut-Sénégal, et non seulement l'acclimatement de la race, mais aussi l'acclimatement individuel. Ce pays réunit en effet toutes les conditions telluriques et météorologiques les plus défavorables au maintien de la vie. Donc, les militaires sont chargés le plus souvent d'essayer de peupler cet espace assez peu accueillant. Donc, on va élever des fortins, des forts, qui vont modifier la géographie africaine et y apporter la marque de la guerre. Donc, je vous ai mis ici quelques éléments. Donc, on est accueilli à l'entrée de ce fort, évidemment, par des canons, des meurtrières, et puis les boulets qui sont placés au-dessus des portes, façon de dire qu'on en a tellement qu'on peut les mettre là comme ça en élément de décoration. La géographie de la conquête
militaire suit en réalité la géographie du fleuve Sénégal. Ce qui importe aux Français, c'est de contrôler le fleuve, de déposséder les Africains, aux Africains. J'ai démontré que les chefs militaires français avaient en tête que la maîtrise du pays passait sans contredit par la maîtrise du fleuve. Ils le reconnaissent noir sur blanc dans mes sources, ce qui était pour moi une réponse à l'interrogation qui était la mienne au départ. Pourquoi utiliser le fleuve? Comment on l'utilise? Il faut savoir qu'en effet, le fleuve, auparavant, c'était l'endroit où les génies africains résidaient, et c'est par la suite un lieu où les colons ont toute puissance. Ils y font naviguer leurs navires et tirent régulièrement des coups de canon depuis le bord, façon de dire qu'ils sont les maîtres du fleuve. Alors je vous dirais, pour conclure, qu'étudier un fleuve du passé, voir comment il a été pensé, exploré, conquis, semble être des indices pour mieux connaître les représentations des Français en Afrique de l'Ouest. On voit que, disons que mon travail apporte des éléments de plus qui donnent à penser que la colonisation a été assez peu glorieuse au Sénégal. Le fleuve est par la suite déplacé et le regard se porte moins sur l'Afrique intérieure que sur l'Atlantique. En 1930, Mermoz relie Saint-Louis à Natal, au Brésil, en 52 heures, à bord d'un hydravion Latécoère, et ouvre la voie de l'aéropostale de l'Atlantique Sud. Je vous remercie. Merci à tous, merci Antoine. Il est maintenant le temps d'ouvrir la séance de questions, donc je vous en prie. La parole est à la salle. Ça, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, alors le toucher des écrouelles en 1825 a lui aussi son histoire, en fait, c'est compliqué. Effectivement, le toucher des écrouelles, tout le monde ne sait pas ce dont il s'agit, c'est donc une cérémonie qui avait lieu généralement au moins à chaque sacre des rois de France, lors duquel les rois procédaient à la guérison d'une maladie d'origine scrofuleuse qu'on appelle donc les écrouelles. Des espèces de bulles, enfin des trucs qui apparaissaient dans le cou. Et on faisait venir les malades, après les avoir un peu préparés, et le roi disait « Le roi touche, Dieu te guérit », et ils étaient supposés guérir. Alors, ça marchait des fois, et des fois ça marchait moins. C'est une pratique, effectivement, qui tout au long de la période médiévale est extrêmement répandue, encore beaucoup au début de l'époque moderne, mais plus le temps va aller, moins ça sera pratiqué. Louis XIV la pratique encore beaucoup, mais Louis XV, lui à cause de sa vie, comment dire, que l'Église ne trouvait pas très morale, et du coup, comme c'est un acte religieux, il faut passer à confession avant, et c'est compliqué pour l'Église au XVIIIe siècle. Ça disparaît petit à petit. Sous Louis XVI, on ne se prête qu'une seule fois au toucher des écrouelles lors du sacre. Et en 1825, au début, ça fait partie des choses que le roi qui organise la cérémonie pense supprimer. En fait. Mais elle va quand même avoir lieu, en fait. Par une suite d'événements un peu compliqués, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient entendu dire que le toucher des écrouelles serait pratiqué, et beaucoup de gens, au début du XIXe siècle, qui croient encore fermement au mythe royal, et qui, atteints de maladies diverses et variées, vont se rendre à Reims, et devant l'afflux de personnes, semble-t-il, la maison du roi a fini par céder, et a organisé un peu en catastrophe un toucher des écrouelles. Mais, alors ça, c'est une histoire que j'ai lue dans le livre donc, que j'ai mentionné, André Craya. Je cherche encore à consulter le document qu'il cite, qui apparemment est conservé à Reims, dans lequel c'est vraiment rapporté et c'est fait. Mais les autres journaux, les autres ouvrages que j'ai mentionnés disent effectivement que même Charles X avait un peu de mal à croire à ça quand il a touché les profuleux. C'était le lendemain du sacre. Le 31 mai, ça devait être donc, le surlendemain du sacre. D'ailleurs, on disait plus, depuis quelque temps, on disait plus « le roi touche, Dieu te guérit », on dit « le roi te touche, que Dieu te guérisse ». On était un peu conditionnés. Je suis
Est-ce que tu connais la différence entre le camerlingue et le cardinal secrétaire d'État? Alors, en théorie, le cardinal secrétaire d'État, dans toute la bibliographie que j'ai lue, c'est lui qui était censé seconder vraiment le pape. Et c'est vrai qu'il y a quelques documents où c'est lui en fait qui reçoit les lettres, notamment de la Somalia, au début des années 1820. Et en fait, je ne sais pas ce que je comptais. Dans les lettres. J'ai l'impression qu'en fait, le secrétaire d'État, il est plutôt affilié aux religieux et à la diplomatie, peut-être, je sais pas, la grande diplomatie, on va dire, c'est-à-dire celle des ambassadeurs, et pas des consuls qui sont plus dans le concret. Après, c'est tous les deux des grands cardinaux, et ça reste le même univers. C'est les mêmes personnes, et on voit que quand un pape est nommé, certains cardinaux, secrétaires d'État, vont devenir camerlingues. Enfin, les camerlingues étaient aussi des cardinaux. Effectivement, c'est une anomalie, en quelque sorte, en tout cas entre 1820 et 1830. J'aurais quelques petites questions pour les auditeurs. Donc, pour François, dont nous avons les écrouelles, mais qu'en est-il de l'ampoule, du Saint-Crème, donc pour le sacre. Pour Nicolas, est-ce qu'il pourrait nous expliquer la couverture du livre d'Hervé Mazurel qui apparaissait sur la dernière image de son PowerPoint? Et pour Antoine, on a un grand livre sur la remontée d'un fleuve. C'est au cœur des ténèbres de Conrad. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'équivalent pour le Sénégal? Est-ce qu'il y a des textes littéraires qui associent cette image du feu et de la remontée dans les termes coloniales? Alors, effectivement, comme je l'ai dit à Christelle, effectivement, il y a des choses, comme sur les écrouelles, la Sainte Ampoule, effectivement, a une histoire assez particulière, ça fait partie des régalia que j'ai très brièvement évoquées. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément en fait, de choses à dire, et j'ai dû faire des choix en fait, dans la présentation, et je suis passé assez vite, d'ailleurs j'ai parlé aussi vite, j'espère que tout le monde a quand même réussi à suivre. Mais effectivement, la sainte ampoule, qui était cette huile qui passait pour être une huile miraculeuse apportée par une colombe lors du sacre de Clovis, et qui était transmise de génération en génération, mélangé avec à chaque fois le crème du Vendredi Saint précédant le sacre et apposé sur le front du monarque. Effectivement, c'était l'essence quand même essentielle de la cérémonie, parce que quelque chose sur lequel j'étais obligé de faire l'impasse pour gagner un peu en clarté, c'est la différence entre le sacre et le couronnement. Parce qu'à la base, la France a vraiment la spécificité du sacre, c'est-à-dire qu'elle fait passer l'onction, c'est le fait d'apposer cette huile sur le front, donc, et sur le front, les épaules, enfin plusieurs endroits, il y a sept points sur le corps du roi qui sont touchés par l'huile. C'est ça l'élément central de la cérémonie, ce n'est pas le couronnement comme ça se voit dans d'autres monarchies européennes, même si une onction a été rajoutée dans d'autres monarchies, je pense notamment à la monarchie anglaise, par la suite. Enfin, là je parle du début de la période médiévale, et avec le temps, alors cette huile, bon, peut-être pas d'origine aussi divine que ce qui était annoncé, semble-t-il c'était à l'origine une fiole qui aurait été mise dans le sarcophage d'un des évêques, des premiers évêques de Reims, mais en 1793, c'est ça, lors de la Révolution, elle fait partie d'un régalia qui sont détruits, elle est brisée en place publique, et on l'a détruit, mais... Alors, il y a plusieurs légendes de survivance. On raconte que beaucoup de Rémois assez pieux, dès que les conventionnels étaient repartis, auraient récupéré l'huile et l'auraient gardée pour que, à la restauration, Louis XVIII, lorsqu'il se renseigne sur quel régalia avait disparu, puisse les retrouver et les mettre dans un nouveau reliquaire. On raconte que l'archevêque l'aurait vidé l'ampoule et remplacé par une autre huile avant que le conventionnel arrive, ou quoi qu'il en soit. En 1824, quand on recrée un genre, on recrée un nouveau reliquaire et on a une huile qui est donc un vrai, ou alors, pas impossible qu'il y ait aussi peut-être quelques contrefaçons. Certains disent oui, moi j'ai sauvé lui, regardez. En tout cas, on réussit en tout cas à avoir une huile sainte pour le saint. Oui, pour Hervé Mazurel, c'est donc la réédition de sa thèse qui porte effectivement sur la figure, en tout cas l'univers
qui gravitait autour de Lord Byron et de son influence. Donc c'est pour ça qu'on le voit dressé au rang de héros, presque comme un sauveur en fait des Grecs et de la Grèce. Et pour le citer, en fait, le philhellénisme était donc un imaginaire collectif. Donc qui tournait autour de cette... L'image était représentée au bûcher. Qui est au bûcher, en fait? Je sais pas. Sur le... Parce qu'on voit Byron, et puis on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est... J'ai plus la référence exacte. Oui. De... C'est symbolique ou c'est... Sur les cendres de... C'était que du symbole, en fait. D'accord. Parce que tout Lord Byron qu'il était, il ne connaissait pas c'est la Grèce, c'est mieux la Grèce que quelqu'un d'autre. Et même enfin, tous les États... la France et le Royaume-Uni qui ont soutenu cette indépendance avaient les informations grâce, tu as parlé du constitutionnel, grâce à ce genre de journaux qui avaient eux-mêmes des lettres de consuls sur place à Missolonghi, et comme tout consul, en fait, c'était des discours aussi sur soi-même, sur eux-mêmes qu'ils écrivaient. Donc on peut douter de la véracité du socle sur lequel se repose le philhellénisme. Oui, et donc la question c'était sur, je crois, les récits de voyage. On en trouve au XIXe siècle une grande quantité, c'est vrai. Pour la littérature, hein, je pense qu'il y en a, enfin, en tout cas dans mon étude, dans mon mémoire, j'en ai mis beaucoup en tant que source que j'ai pu travailler. Après, donc je peux citer quelques noms, Charles Mazeran, capitaine du génie Mati, l'abbé Boila, donc il y en a plein d'autres là, qui ont décrit leur parcours sur le Sénégal de façon assez littéraire. Après, il y a un ouvrage qui restitue bien, je trouve, l'ambiance de ce que c'est que naviguer sur un fleuve subtropical, c'est évidemment Céline, Le voyage au bout de la nuit. De tête, il dit, de mémoire, il dit ce que furent ces 10 jours sur ce canot, voilà. Et il termine, enfin nous quittâmes ce sale canot sauvage. Donc évidemment c'est le regard de Céline qui est celui que l'on connaît, mais voilà, ça rappelle bien la question de la maladie, etc. Donc je revois ça. Une question pour Mathéo. Vous nous avez beaucoup parlé de ces ouvriers marseillais, mais Marseille, en même temps, on avait discuté ensemble d'ailleurs, c'est pas vraiment la révolution industrielle. Alors, est-ce que vous pouvez préciser dans quel métier ils exercent, ces fameux ouvriers marseillais? Eh bien, beaucoup dans le Nord, qui a une place très importante dans la ville. Et il y a beaucoup d'huileries et de savonneries. Voilà, c'est la grande époque du savon de Marseille. Et aussi dans des fabriques diverses d'artisanat, ou même des fois des fabriques assez importantes. Voilà, en gros, il me semble que c'est ça. Est-ce qu'ils sont dans les très grandes unités? Est-ce que ça correspond au marxisme, léninisme classique? Je sais que c'était des assez grosses fabriques, mais je pense que ça n'avait rien de comparable avec ce qu'il pouvait y avoir en Angleterre à la même époque. Non, je sais qu'il y a des grèves qui ont éclaté dans des fabriques, c'était plutôt une 50-60, en fait. Et du coup, quand les grèves éclataient, ils partaient à 50 à la fabrique en face pour engrainer les ouvriers et aller faire le tour des usines. C'était pas une grosse usine centralisatrice, c'était plutôt dispersé. Merci. Moi j'avais des questions plutôt pour Antoine. Déjà, pour quand même rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que toute cette première partie de recherche a été faite sous la direction de Sophie Duluc, qui est plus spécialiste de l'Afrique que moi, et j'ai hérité d'Antoine sa deuxième année. Mes questions, peut-être pour éclaircir, c'est justement, on vient de parler des sources littéraires, peut-être que vous pourriez parler de vos sources, vous pourriez différents types de sources, et où est-ce que vous les trouvez, peut-être que sous le combat d'histoire extra-européenne, ça pourrait être intéressant. Et une question peut-être plus de contenu sur la dimension des infrastructures et environnementales, sur les transferts des savoirs éventuels, c'est-à-dire que vous avez terminé en disant c'est un enfer, on ne peut pas s'adapter ici, etc. Mais en termes de techniques hydrauliques, il y a quand même un certain nombre de techniques qui ont été développées en France, dans quelle mesure elles sont transférées à l'Afrique, et inversement, en termes de...
d'infrastructures développées en appui d'adaptation à l'environnement propre qu'est le peuple sénégal, est-ce qu'il y a un retour de ces techniques pour améliorer les techniques françaises? Donc, c'est une question qu'on n'a pas du tout répétée auparavant. Donc, Oui, elle m'impressionne, votre question. Donc, il faut savoir que les archives de l'Afrique occidentale française sont aujourd'hui compilées à Aix-en-Provence. Donc, j'y ai fait trois voyages très sympathiques, par ailleurs. Dans le centre des archives qui s'appelle les ANOM. Donc, A-N-O-M. Et donc, il y a un très bon système de consultation sur place. Très joli. Donc pour ce qui est de mes sources, c'est comme je l'ai dit, donc des récits de voyage qui sont souvent rédigés par des militaires, également des sources très techniques, donc d'ingénieurs hydrauliciens avec des plans. Donc c'est très impressionnant au départ quand on n'a pas forcément de compétences dans l'hydrologie ou dans quoi que ce soit relatif au fleuve. Donc des sources techniques, des récits de voyage, des cartes, bien sûr. Il est très difficile de se repérer, en fait, dans la mesure où les noms ne se retrouvent pas forcément sur les cartes, beaucoup de lieux dits, donc il faut s'approprier la géographie du fleuve. C'est à peu près... les sources parlent d'un fleuve qui fait 1200 km, je veux dire que... le fleuve en tout fait 1700 km, mais il y a une concentration de la présence des Français sur à peu près 1200 km. Pour ce qui est de la double question, donc, de la communication entre les techniques employées au Sénégal et la communication avec la France, alors je ne sais pas si j'ai vraiment la compétence pour y répondre bien, au vu du travail que j'ai fait et des sources que j'ai. Ce que je peux dire, c'est que quand les Français arrivent à la fin du 19e au Sénégal, ils sont forts d'un savoir historique français et de compétences, de savoir-faire sur la gestion de fleuves. Donc les ingénieurs sont souvent formés dans des villes de la façade atlantique. Donc il y a des Rochelais, des Bordelais, le Havre. Donc voilà, il y a cette histoire-là. Et en fait, ils arrivent avec ces savoirs et ils imaginent que parce que la France et le Sénégal partagent le même littoral, enfin, le même océan, ça va être le même littoral et les mêmes... Mais en réalité, non. Le climat n'est pas le même, le sol, les conditions, les courants. Donc, finalement, ils sont assez sûrs d'eux quand ils arrivent. Et je crois qu'il n'y a jamais vraiment de remise en question. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette certitude... qu'ils ont pour leurs compétences, elle est durable malgré les échecs et malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je ne sais pas. Par contre, jusqu'à dire qu'en métropole, on s'inspire de ce qui est fait au Sénégal, je ne crois pas. Je m'étonnerais. Les études sont réalisées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont envoyés sur le fleuve qui écrivent, et les études se perdent. Donc, on ne sait pas où est le papier, ça n'a pas été publié. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amnésie à peu près chronique et constante, ce qui fait que voilà, on ne tient pas compte de ce qui a été écrit auparavant, donc je doute que ça puisse après remonter jusqu'en métropole. Oui, peut-être deux questions. D'abord, félicitations à tous les quatre pour les prestations qui ont été faites, c'est vraiment très bien. Une question pour M. Ribert concernant ce qu'il signale à la fin. Sur le renouveau pour l'intérêt pour la restauration. Alors, je voudrais savoir si vous avez une piste, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse de nouveau à cette période, qu'est-ce que ça dit sur notre époque, finalement. Et ensuite, bon, au moins une piste de réflexion. Et ensuite, une question pour M. Barada, concernant cette dimension transnationale du philhellénisme que vous signalez. Vous évoquez des fantasmes, des rêves, à un moment donné, qui caractérisaient donc une génération de jeunes désireux de libérer, j'imagine, la Grèce. Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu de ces rêves, de ces fantasmes qui traverseraient les frontières et caractériseraient quelque part une forme d'européisme par rapport à cette Grèce idéalisée? Alors, effectivement, il y a donc un renouveau que j'ai constaté, mais c'est vrai que pour ce qui est l'origine, là, je vous avoue que... Un peu
J'avoue, je ne sais pas trop, effectivement, mais je sais que, voilà, donc, j'ai rencontré certaines personnes qui, parlaient des ouvrages de Guillaume de Berthé de Sauvigny, donc dans les années 70, mais je ne sais pas vraiment ce qui, dans les années 70, a déclenché un vague renouveau, ou pourquoi est-ce que ce renouveau a continué ou a perduré pour plus ou moins dire jusqu'à notre époque. Alors, éventuellement, peut-être l'éclatement du champ historiographique aurait peut-être fait que on s'est mis, je veux dire, il n'y a plus de période peut-être de l'histoire qui n'était plus privilégiée comme ça avait été le cas autrefois, enfin, ça me tombe bien, autrefois. Mais peut-être effectivement, c'est l'apparition de plusieurs façons de voir l'histoire, je pense, à, c'est des évolutions historiographiques qui a contribué à ça. Mais vraiment, mais là, effectivement, ce serait plus une piste parce qu'il faudrait que je me renseigne vraiment pour savoir pourquoi est-ce que la restauration, qui n'intéressait pas vraiment grand monde, s'était mis à s'intéresser, pourquoi est-ce que ce mouvement a grandi au point de faire que la restauration est une histoire, bon, enfin une période, comment dire, qui est fouillée comme les autres, aujourd'hui. Et concernant l'idée de l'Europe, c'est pas forcément le. Ce qui définit l'ensemble du mouvement Philhellène, c'est peut-être plus limité à la frange intellectuelle et jeune aussi, souvent polyglotte en fait. Après oui, dans des textes d'inspiration Philhellène, comme ceux de Chateaubriand par exemple, on va vraiment construire cette barrière entre l'Europe et l'Empire ottoman, entre aussi sur le plan religieux, entre cet islam lointain et inconnu, et la chrétienté qu'il faudrait préserver. Alors, c'est surtout la thèse de Gilles Bécou qui, sur le long 19e siècle, considère que c'est cette idée civilisationnelle, on appelle ça comme ça, qui va justifier le basculement de l'Europe du côté de la Grèce. C'est peut-être plus vrai, cette notion, pour la fin du siècle que pour le début du siècle où on a encore beaucoup d'ignorance, en fait, sur la situation grecque, et aussi en fait du point de vue des pouvoirs politiques européens, où je ne sais pas si on peut parler déjà d'idées de fameux États-Unis d'Europe. J'ai l'impression que ça reste quand même limité à une certaine partie, notamment littéraire. J'aimerais compléter ma réponse sur les œuvres littéraires. Je me rappelle juste, c'est une œuvre assez ludique. Jules Verne, 5 semaines en ballon, que je ne sais pas si vous l'avez vu, le ballon, le Victoria, c'est vraiment, on change de sujet comme ça très vite. Le ballon, le Victoria, s'échoue dans les eaux du fleuve Sénégal. Donc Jules Verne a parlé du Sénégal dans cette 5 semaines en ballon. Je me rappelle, dans les années 80, il y avait un roman qui a eu un peu de succès qui s'appelait La mémoire du fleuve. Mais ça, c'est pas le Sénégal, c'était le Gabon. Mais c'est là aussi, pour l'imaginaire du fleuve, il y a peut-être, c'est même d'être d'y jeter un coup d'œil, c'est Christian Dedé qui a écrit ce roman qui se passe pendant la période coloniale, et qui tourne aussi voilà, sur tous ces usages possibles du fleuve. S'il n'y a plus de questions, deux informations avant de se séparer au moins épisodiquement. On se rejoint ici à 14h pour la suite du colloque. Bon. Et la deuxième information, c'est que nous sommes étudiants, chercheurs, nous sommes aussi souvent travailleurs précaires, en tous les cas travailleurs en formation. Dans ce cadre-là, on est directement touché par la précarité et par ailleurs aussi par la réforme des retraites qui se prépare. Et note d'information, pour qui veut, il y a une assemblée générale qui a lieu du coup maintenant à 12h30 au Grand Amphi. Ce n'est pas contradictoire avec la suite du colloque, donc qui veut peut y participer. Là, les représentants des doctorants du laboratoire Framespac sont venus encourager leurs jeunes collègues. Merci à eux.